Donc là, on fait la valeur, c'est avec As. J'avais la bourse de lui. La mort. Vous avez dit, vous avez Mathieu. Je sais encore mon père. De quoi, de quoi, de quoi, de quoi? La carafe? Oui. Non, c'est dans le carafe. Avec la carafe? Était là? Ah ouais. Elle a toujours été là. Attends. Ici? Elle était là. Ouais. Ouais. Ouais, elle était à peu près là, comme ça. Demande à la petite où elle prenait. Quand j'étais là. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que jamais elle venait la chercher là et là. Ça m'interdit de monter les grands-parents à la filée. Je lui fais signe. Non, non, mais attendez, on va reculer, il n'y a pas de soucis. Elle était où cette jolie carafe? Là. Alors, attends. Okay. Alors, c'est facile à retrouver. Dans ce cas-là, c'est là, elle est à gauche. Non. Dans ce cas-là, c'est très facile à retrouver. Mathieu était comme ça. Et moi, il me semble que la grand-mère, sa tête était plus par là. Ok, on enlève la carafe. Tout près de moi, la carafe. Ouais. On enlève la carafe, on prend pas de risque. Voilà. Mais oui, on s'en garde pas. Ah bah oui. Ok. C'est la fête. Oui, donc tout simplement en direct de l'enlever carafe de jus de raisin. La script est dans tous ses états. Mais elle rigole, ce qui est malheureusement. Mais en fait, non. Tu veux que je te dise, je la vois. Le rendu final. Le rendu final. Ah, le rendu final, ce sera ça. Le côté. Je suis d'accord, mais on reconnaît bien le grand-père. Hein. Non, tu voulais mère et Jeanne. Non. Ah oui, c'est mère et Jeanne, c'est super important, d'accord. Non, on le fait ça, c'est un travail circulaire en montant la caméra. Voilà, c'est génial ça. Ok, alors du coup, donc Annie, bah oui, Annie, elle va lui donner à manger. Ah oui. Non. On peut mettre un peu de. Qui peut s'occuper de. Il faudrait mettre un peu de. Dans ça. Un peu de pommes de terre là. Je sais pas. Thierry. Comment ça, il sera à faire. Juste une amande. Je sais pas. C'est dans le champ. C'est possible de. C'est qui? Moi, je c'est Karine. Hein. C'est bon, Noël. C'est bon. Bon, là, je suis dans le champ. Oui. Non, c'est quoi? Non, je sais pas. Tu l'as fait dans le champ. Je sais pas. Philippe, j'aimerais voir ce que ça donne quand tu. Quand? Quand tu. Quand je lis? Là, je. Ok, donc je vais demander juste une répétition pour moi. D'accord. Parce que j'ai plein de choses à régler et si je vois pas comment tout le monde bouge, je. Ok, bah alors en fait. Parce que je passe un peu dans un créneau là. Donc. Donc alors en fait toi ce que tu vas faire Annie, vas-y t'as la bouche comme ça, vas-y montre, mets rien dedans. Voilà. Mais même au début tu ouvres pas tout de suite la bouche. Vas-y fais voir. Voilà, exactement. Exactement. Voilà. Force en fait. Tu viens d'avoir aucun. Tu me corrigeras les deux. Quand je viens ici, voilà. Et dans l'ensemble, elle a déjà commencé à chipoter un peu. Je... Oui, exact. Alors, pour tourner dans l'autre sens, je voudrais couper. Ah, donc, toujours la tête, hein. D'accord, bon. Bon, alors, faut mais attends, mais c'est génial ce qu'on fait. C'est super intéressant! Sinon? Oui, on fait un peu le plan en même temps. Et après, on a fini. T'as vraiment envie de vite? Dis-moi, tu veux. Je compte sur toi, mais j'ai un peu de colère. Tu veux pour moi? Il y en a marre des réas qui m'ont. Je te les donnerai. Rien n'a pas, si t'es sage.
La choucroute, elle est pas sur elle, là. Elle est pas... Ah, mais tu as pensé à moi, ok, mais c'est bon, il va arriver. Là, on passe à un gros nom d'élite, on va passer à un autre moment pour se remettre à confession. Bon, là, vous aurez que des salades, hein, d'accord? C'est comment, là? Santé! Bon, ok, alors. Bon, je vais être dans deux secondes. S'il vous plaît. Alors, elle arrive ici, vous êtes en train de manger la salade. Je suis un peu en retard, excusez-moi. Personne n'en a rien à battre. Un arbre vient de s'abattre sur la fenêtre de ta chambre. J'ai condamné la pièce jusqu'au passage de l'expert. Bon. Alors, toi, tu t'avances un peu. Tu regardes le plat. Bon, genre, ça ne convient pas des masses. Tu regardes, tu ressors. Tu t'en vas. Et tu vas aller te faire un croque dans la cuisine. D'accord? Voilà. Alors, ça c'est comme ça. Alors, voilà. Première étape. Deuxième étape. La scène de cuisine est passée. Le couvert est débarrassé. Le père patiente en agitant un cure-dent dans sa bouche. La grand-mère change les piles de son zéro. Bon, ça c'est à voir, c'est plus dans l'esprit. La servante vient de se poster. Alors, bon, Jeanne est assise, elle est en train de manger son croque. Tout le monde attend. Les assiettes à dessert sont mises. Tout le monde attend. Mange son croque, monsieur. D'accord? Tout le monde est là, le regard un peu impatient. Non, en attendant, mais sans montrer d'impatience vraiment, vous attendez. D'accord, je comprends. Alors, vous attendez. Vous attendez qu'elle ait fini de manger. D'accord? La servante attend avec le gâteau. À la limite, elle est en train de manger. Tu finis d'allumer une bougie ou deux, voilà. Tu finis d'allumer la dernière bougie. Les bougies sur le gâteau là-bas, elle les a pas allumées. Attends, elle a pas allumé parce que j'aimerais bien qu'elle le fasse là, justement. Bref, enfin bon, t'attends avec le gâteau, éventuellement t'allumes la dernière bougie, les bougies sont allumées, tu poirotes qu'elle ait fini de manger son truc. D'accord? Apparemment, le truc sera fini. Quand le truc est fini, le père peut éventuellement faire un geste si vous dégagez l'assiette. Non, vous dégagez l'assiette parce qu'elle a fini de bouffer. Voilà. Toi, tu viens. Tu tiens l'assiette comme ça. En attendant, non, toi, tu viens poser le gâteau. À gauche. Voilà. Et tu récupères l'assiette de Jeanne. D'accord. Alors, ensuite. Alors, toi, tu restes planté devant le gâteau comme ça. Un peu. D'accord. Alors, la mère. Bon anniversaire, Valérie, toujours là. Hein? Valérie est toujours là, elle ne bouge pas. Non, justement, oui, elle attend un peu avec l'assiette comme ça. Elle attend un peu avec l'assiette comme ça que les choses avancent, parce qu'il y a un moment critique, elle va souffler les bougies. D'accord? Oui. Bon. La mère, bon anniversaire Jeanne, sans la regarder. Ah, je peux pas. J'ai le coin de la chaise. Là, Non, justement, tu viens pas chercher le baiser. Ce baiser, il ne fait pas spécialement plaisir. Le coin de la table? Bah oui, parce que je suis comme ça. Non, mais attends, tu fais même pas de baiser, justement. Bon anniversaire, Jeanne, ça suffit. Bon anniversaire, Jeanne. Bon anniversaire, Jeanne. Voilà, c'est encore plus fort. D'accord, il faut savoir qu'on est en galère là-bas en plus. Hein. Oh, voilà. Oulala, attends, j'ai zappé un truc là, excuse-moi. La servante vient se passer la dernière. Jeanne porte la dernière fourchette à sa bouche, la servante retire l'assiette et la remplace par le gâteau. Mathieu prend un Polaroid. Attendez, voilà, c'est important, j'ai zappé un truc. Ça, c'est toute la scène, le truc. Elle attend devant son gâteau, elle ne fait toujours rien. Ah, tu as raté le coche, d'accord? Bon, finalement, tu auras une photo. Tu veux pas me lever pour aller chercher? Non, on en ellipse. Il est déjà posé, c'est solennel, ça fait déjà 15 anniversaires. Alors, il est sur la table. Bon, d'accord. Tu vas faire un... C'est les bougies du gâteau.
tu les poses là. Voilà. La mère enlève les bougies du gâteau. La grand-mère tousse. Odile. Odile, dès qu'elle... Alors, toi, tout de suite, ton premier réflexe, c'est « Bonne année, Jeanne ». Tu lui fais un... « Bonne année, Jeanne ». Voilà. Et après, tu replantes tout de suite ta place. C'est-à-dire que, par rapport à... Bon, c'est du jeu. Alors, ensuite, Jeanne lui retourne un sourire. La servante place le... La servante commence à couper le... Place un peu le gâteau. Elle commence à couper toutes les parts. Ah, mais commence... s'il est là, le gâteau, je ne peux pas avoir enlevé les bougies. Non, le gâteau est là. Une fois que les bougies sont enlevées, ouais. Non, en fait, c'est pas ça. Tu viens la manger. La part est posée et toi, tu continues en hors champ à servir. Tu sers la servante, le père, Jeanne et Odile, qui seront servis après leur part sera servie. Oui, tu sers le père, Jeanne, Odile. Oh, je te dirai son nom. Bref, voilà le truc. D'accord, mais. Vas-y, en fait, en gros, c'est comme dans le film, sauf que être unique là-bas. Bon, alors, écoutez, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est mon anniversaire aujourd'hui. C'est bon. Je parle italien, non, personne. Mais non, toi. Oh, il y a encore deux années. Pierre, pour 5 ans, t'avais demandé un peu de temps. Je prends des douches à moi. Non, non, la choucroute. Alors, le truc noir, c'est pas du poivre, c'est du beurre de lièvre. Ce sont des beurre de lièvre, oui, absolument. C'est pas possible. Absolument. Un petit peu de chou. Je suis allergique. Alors Odile, nous attendons tous, est-ce que vous pouvez nous redire la phrase que vous avez dit à l'hôtel, donc pour la chambre 21, voilà, je vous filme, action. Oh vraiment, je m'en souviens, excusez-moi.